Voilà donc votre jus de tamarin, fin prêt pour être filtré. Fin prêt pour être filtré. C'est fini, on a fini de malasser. Et donc maintenant on peut filtrer. On peut filtrer. On va utiliser un passoir pour filtrer. Nous allons donc déposer ce passoir sur la casserole et puis nous allons renverser le jus de tamarin avec les graines dedans. Voilà, ceci c'est les graines du jus de tamarin, c'est les graines du tamarin qu'on vient de malasser. Voilà, on a retiré donc le jus en bas. Voilà, ça là, ça sera séché. Séché, on va enlever les graines un à un et on peut mettre ça dans un coin d'une maison et pour que si jamais on a envie d'avoir l'arbre de tamarin avec cette graine là, on plante quelque part, ça commence pas à pousser comme tout fruit, comme le maïs et toutes les graines qu'on peut enfouir dans le sol. Voilà. Donc quand c'est des feuilles, ces feuilles ressemblent à la feuille de moringa. C'est petit comme ça. Voilà. Donc voilà donc notre jus de tamarin filtré. Voilà. Voilà notre jus de tamarin. C'est comme ça qu'on l'a obtenu. Voilà. Vous voyez l'eau. Voilà, c'est comme ça, tout simplement. Nous allons donc essayer de prélever un peu de jus de tamarin pour voir ce à quoi ça ressemble. Voilà, voilà le jus de tamarin qui a été réalisé. Notre jus de tamarin qui a été réalisé tout à l'heure. Maintenant, il faut peut-être encore filtrer une deuxième fois parce que je vois quelques petits déchets en face du jus. Voilà. Nous allons refiltrer une deuxième fois pour être sûr que tout est au point avant d'encore de lancer et avant de mettre le jus sur le feu pour porter cela à ébullition, histoire de tuer toutes les bactéries possibles, toutes les microbes qui pourraient s'y retrouver. Laisser refroidir et donc procéder à sa boisson. Commencer par boire. Alors, le jus de tamarin permet à l'organisme de gérer le poids. Lorsque vous êtes trop gros, vous avez trop de graisse dans le corps. Vous êtes quelqu'un qui a trop de graisse dans le corps et vous voulez diminuer de volume. Vous êtes trop gros, trop épais, trop obèse. C'est le mot que je recherchais. Trop obèse et que vous avez envie de vraiment de casser votre poids. C'est un jus qui vous est recommandé. Son acide règle ce problème-là. Très simplement, à force de boire du jus de tamarin concentré, ce n'est pas le jus de tamarin que les gens font et foutent du sucre dedans. C'est pas ça. Ça là, c'est sans sucre. C'est sans sucre. Jus de tamarin sans sucre, mais concentré. Concentré. Vous avez vu que c'est nous-mêmes qui avons fait ça tout à l'heure. Voilà. C'est concentré. C'est pas ce qui est dilué, on fout beaucoup d'eau dessus là et on met du sucre, plein de sucre dedans, on fout de l'eau dessus, on dilue, on enlève sa force là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est le jus de tamarin concentré, original, qu'on vient de réaliser. Vous buvez ça régulièrement et votre poids se jette automatiquement. Automatiquement. C'est pour cela que nous on l'utilise pour faire de la bouillie. Et comme chaque jour on est amené à boire de la bouillie,
au moins un peu le matin. On envoie un peu de jus de tamarin dedans, quoi. Ça nous permet de gérer notre poids. De gérer notre poids. Et si on doit trop grossir au bout d'une période, la chose se régularise d'elle-même. Sans qu'on ne soit amené ou forcé à aller prendre des produits qui coûtent les yeux de la tête. Le jus de tamarin est un produit qui permet de gérer le poids. Ça, c'est la première chose. Et lorsque on veut transformer ça en boisson, on peut y ajouter un peu de sucre, diluer légèrement et obtenir une bonne boisson. Si vous voyez, c'est très important de savoir que le jus de tamarin est un jus qui gère le poids. C'est une bonne boisson. Ça permet d'aller régulièrement à la selle aussi. Ça facilite le travail du tube digestif. Ça facilite la digestion. Lorsque vous prenez du jus de tamarin régulièrement, vous allez aussi régulièrement à la selle. Oui, ça règle ce problème. Voilà. C'est tout ce dont je voudrais parler aujourd'hui.